Salut les amis, nouvelle vidéo, nouvelle randonnée. Je vous emmène là-haut aujourd'hui, le mont de la Coche et le Trail Monard. C'est le plein cœur des Bauges et on va se faire plaisir là pour un sunset tout en haut. Le son n'étant pas le point fort de mes vlogs, j'ai décidé de doubler en voix off cette introduction. Alors la première montée sur un chemin forestier permet de monter à la Croix d'Allan et c'est un spot pour les amateurs de parapente en pleine nature. Et justement, je rencontre deux sur le chemin qui partent voler dans de belles conditions de fin de journée. Souhaitons-leur un bon vol. Nous quittons nos amis parapentistes qui s'apprêtent à décoller, mais je ne peux pas assister à leur vol car je dois me rendre tout là-haut et j'ai encore 500 mètres de dénivelé à faire. Mais je sais que je retournerai à la Croix d'Allan avec mon parapente un autre jour. Là, on quitte la route forestière qui redescend de l'autre côté. Le cairn nous indique le chemin à prendre pour aller au plan de la limace. Alors aujourd'hui, je me suis habillé en orange. Pourquoi? Parce que la chasse a recommencé. C'est vendredi, dimanche dernier, la chasse a été ouverte dans la région. Mieux vaut prévenir que guérir, mais on ne sait jamais. Tout seul, rando du soir, j'adore. Rando du soir, espoir. Espoir de quoi? De voir des animaux sauvages. Espoir d'avoir des belles lumières. Regardez-moi ça. L'arc à l'eau, avec toutes ces petites combettes là, petites rigoles. C'est magnifique. Une dernière montée bien raide. Là, j'ai choisi de tracer tout droit dans la pente herbeuse. Voilà, je suis monté là. De ce côté, ça allait contourner le Trémolard. Et là, je monte direct dessus et je repasse de l'autre côté pour aller au mont de la Coche. Encore quelques mètres. Voilà, ça y est, je suis arrivé à Trémolard. 2045, je crois. Vue exceptionnelle sur... Mon objectif suivant, mont de la Coche. Au vertige, s'abstenir. Beaucoup de gaz de ce côté. Belle arête qui mène à l'arc à l'eau. J'espère bientôt y être avant la fin de l'automne. Point culminant des Bauges. Magnifique, la couleur commence à être dorée. Non, il y a des conditions de lumière qui sont exceptionnelles. Allez, profitez en images. Appréciez-moi ça. Ça y est, fond de la Coche. Oh,
Et ben un sunset vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Voilà, je suis arrivé tout en haut, j'ai fait mes deux sommets de 1000 mètres, mon sixième et mon septième de 1000 mètres, Trail Molard et Mont de la Coche. Je vous laisse sur ce magnifique sunset sur les Bauges. Et moi, je vais me dépêcher de redescendre. J'ai 1000 mètres de dénivelé à descendre, donc j'ai toujours pas de parapente. Donc on va faire chauffer les guibolles, il y aura sûrement des courbatures. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine randonnée sur ce magnifique paysage des Bauges. Salut !